yani kantini kungana an kunti dumuni sɔrɔ k'a dun kɔngɔ kun m'a minɛ o wagati. Ni kɔngɔ b'i la i tɛ se ka foyi faamu, ni mese ye lɛsɔn d'aw ma i tɛ se ka, a tɛ se ka don i kun na yɛrɛ f'a ka segin a kan i ye. Ni ye dumuni kɛ o la i ka lɛsɔn bɛ don i kun na, i bɛ se k'a resite. Sisan an bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun, n'an nana so kuma dɔ la an tɛ dumuni kɛ yɛrɛ, an b'an da ka sunɔgɔ. Ama bana ya kana sa sa shawani kulin ta ta irwati la da kurshin shawala la cantine est bien, j'aime trop ce qu'ils préparent, sont délicieux et bons. La cantine elle est tout pour une école. Le projet comme cantine scolaire de, financé par Plan International Mali vise à soutenir en termes de repas chauds, d'infrastructures et d'équipements de cuisine dont 3 écoles se trouvent au niveau de la région de Gao et 2 écoles au niveau du cercle d'Ansombo. Le Plan International a pour objectif de booster, si je peux le dire, le taux de fréquentation des enfants à l'école et le taux d'assiduité des enfants à l'école. Il y avait une certaine irrégularité des enfants. Depuis que nous avons eu la cantine, à nos jours, les enfants viennent régulièrement. La cantine scolaire, nous avons dit que nous avons l'école l'année. Ne kɔni den n'ale kɔni bɔra yen kɔni kaba, parce que den kelen de bi n bolo yen nɔ, n'a nana so a b'a fɔ a fara, a ye dumuni kɛ ekɔli la. Plan International ka baara min bɛnnen bɛ denmisɛnw ka baloko la ekɔli la, a kɔni a ka d'an mansaw ye, parce que wagati bɛɛ tɛ dumuni sɔrɔ ye so kɔnɔ. Kuma dɔ la denmisɛnw bɛ bɔ kalanyɔrɔ la u bɛna sɔrɔ dumuni tɛ du kɔnɔ. Bɛɛ b'a kalama jamana gɛlɛyara cogo min na, surtout yan Gao yan nɔ. Avec les conditions dans lesquelles les gens vivent, les conditions de pauvreté, avec la guerre qui se passe et autres, ça fait que tous les ménages vraiment sont frappés par une pauvreté, par des conditions de vie très difficiles, et souvent ils n'ont pas le courage d'envoyer les enfants à l'école. Mais comme ici on a eu la chance d'avoir ce projet, tous les parents n'hésiteront pas, en tout cas, à inscrire leurs enfants à l'école. Donc c'est vraiment très important. C'est-à-dire que le bénéfice est double quoi. Ton enfant apprend et tu sais qu'il a de quoi manger à l'école. Donc je n'ai pas de mots vraiment pour qualifier, en tout cas, le sentiment qui m'anime et les sentiments qui animent les enfants. Parce que quand ils reviennent de l'école, ils ne mangent même pas à la maison. Et tous les parents qui ont des élèves au niveau de cette école vraiment s'allient, en tout cas ce projet, et sont très reconnaissants envers ceux qui ont mené ce programme. En termes de durabilité, les mécanismes que nous avons mis en place pour que les cantines scolaires puissent continuer même après le départ du projet. Par exemple, on peut citer entre autres la réalisation du jardin potager et du poulailler qui doivent contribuer dans l'alimentation des élèves dans les jours à venir. À la fin de chaque récolte, il y a de ses parents ou bien les parents élèves fournissent quelques graines de céréales en faveur de l'école pour la consommation des élèves. Donc, vu tous ces aspects, je pense que même après le départ du plan, la cantine va rester, ça va continuer. Ne re demoso duru re be école sina ya. Ni plantara an ka ga bara min ka ni école dombe se ka dum ni soro. Foki an un yero re be chesiri ka bara ga. Foki école dombe se ka dum ni soro. Il faut que la langue soit demain, tout comme il y a. Comment est-ce que le Sénégalais est? Bon, je sais que
fendo faranya pour que école dum fa naka ci ka dum ni sa